DJ Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, ta fachi beton, tangwe koki yo yo yo, tangwango yango yo ye koki, tolanda kango, papa Stéphane, Balamwange, oh yeah yeah. Merci Tango Koki, merci Tango Koki RDC Matondo Mingi Bandeko Oyo Bozuli Baku Yako Landabiso Yako Talabiso na Etando Ike ya Tango Koki Tozali Bongo ko Tondo Nzambe po apesi biso lisusu nzoto kolongonu Oyo Salie ke Toko Kabongo ko Zwali Baku Yako Kuta na Bino Penza na na Esika Oyo po na kosua makamu matali makamu mboka makamu Oyo Zali Koleka na mboka na biso ya Republika Demokratika di Congo ezali wabino mwana mboka marabo bola ezana ndeko moko ayebisa inga ka marabo bola tika kako sa la présentation na yo loko la ressortissant territoire ya Boudiala pambate ezali loko la incitation o ezali propagation ya makambo etali tribalisme nous sommes tous le fils et fille d'une seule mère qui est la République Démocratique du Congo et d'une seule maman aussi que la nation congolaise. Alors, je suis très heureux ce matin de pouvoir encore vous rencontrer. Je vous salue partout là où vous avez trouvé l'opportunité de nous suivre encore ce midi. Je ne sais pas, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Il y a l'un des compatriotes qui m'avait salué depuis l'Argentine. J'oublie son nom, je crois que ça va venir. Alors, ce matin, nous allons essayer d'échanger avec vous, peuple congolais, sombele suka bisanga, bulobo suka ngbele, ndenge toye bisaka bino eke, mbisi, apola akaka, kufa akana mai, bakangara ekana mai. Dossier, il y a prison centrale, en tout cas, les têtes vont tomber. Dossier, il y a prison centrale de Makala, les têtes vont tomber. Quelles sont les têtes des personnes qui vont tomber? Déjà d'ailleurs, on nous signalerait la démission du vice-ministre de justice et des gardes de Sceaux à Kinshasa. Que le ministre, le vice-ministre de justice serait déjà en train de démissionner. Et l'arrestation du responsable Wabengaka, chef y a prison, est allé déjà en téléchargement. Pourquoi la démission du vice-ministre de justice? Et pourquoi l'arrestation Oyo ezali ya chef ya prison. Andeyo na yango, Joseph Kabila Kabange négocie son retour à Kinshasa depuis Beijing où séjourne le président de la République Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Joseph Kabila Kabange aurait contacté notamment le président de la République après la demande du président chinois. Le président chinois Xi Jinping a sengi na Joseph Kabila Kabange était avant ala s'impliquer na makambo oyo eza koleka na mboka na bino. Pambate Félix Tshisekedi a commis déjà ko baé. Tshisekedi a commis na suka pona komona yo ko kenda ko soutenir Corneille Nanga ozo soutenir M23 pardon et biloko wana ezali ko déranger gestion ya mboka. Alors Joseph Kabila Kabange Lokola azali na Namibie, azako kene Namibie, azako zonga na niveau ya Afrique du Sud, azali ko négocier retour na ina Kinshasa. Toko solola na bino, iloko ni ne pousse Kabila a kende ko contacter président chinois et pourquoi azeli kaka que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a longwa Kinshasa a se rendre na Chine na sommet o ezali ya Chine Afrique, babengi yango ezali focus si je me trompe pas. Yé akei koube nga président chinois. Nous allons essayer un peu d'échanger avec vous. Tome kako analyse toye ba motivation ya Kabila ezalini. Pourquoi Kabila zako linga kozo nga lamboka? Est-ce que azo linga ke soki nanga ayei akuta ye ana Kinshasa? Comme ça, tant au régime atiseke de kwea, Kabila na nanga basali échange. Nanga akozala loko la premier ministre et puis Kabila akozala loko la chef de l'État. Donc Kabila depuis où il séjourne en Namibie azako négocier retour naye na Kinshasa en contactant le président chinois Xi Jinping. En dehors de cela, toko solo la paix, dossier Italie, dossier ya
au babengi ya au projet ya consortium ezali projet oyoyo tango tozalaki na ba mesure oyo ba pesaki notifiant le membre du gouvernement de ne pas engager encore au babengi le gouvernement mais babanda ko expédier ba faire courante. Alors le ministère des finances oyo kambama kibongo na ministre Nicolas Kazadi l'argentier de la des finances de la République démocratique du Congo yependa akenda kibongo ko sala o babengaka projet ba signaki projet moko comment on appelle ça ya y a un projet oyo esengela kibongo 29 millions de dollars et bima pona ko luka ko sala ba réforme o ezali ba facture normalisée ya ba taxe de valeur ajoutée ba beng ba TVA na République démocratique du Congo to komeka ko pesa bino ba révélation parce que tout le monde est que moi acharnement pe mingi eza mingi likolo ya mwana mboka Nicolas Kazadi. Est-ce que eza ya solo ki mbongo wana ye mutu ayibaki yango? Est-ce que eza ya solo ki mbongo wana ebungi? Est-ce que ye mutu asali ki mbongo wana ebunga? Parce que on ne peut pas jurer une république avec de légèreté. Une république, c'est une affaire de la vie des hommes et des femmes. C'est une affaire de l'avenir de toute une nation. Alors, lorsqu'on gère la république avec des négligences, avec des acharnements, avec des attaques, en montant les dossiers sales pour salir l'image d'une personne et celui qui a servi la république, je pense que nous sommes entrés, notamment, de trahir la nation. Je suis tout à fait d'accord avec moi. Boyebinga Marabobola, Nalia Kambongo Amotute. Moi, je ne sais pas comment on corrompt quelqu'un. Parce que dans ma valeur patriotique, je ne suis pas Moutoumoro ou Yaba Djalelo. Non, non. Dans ça, la Djalelo. Là où il y a la vérité, j'aime dire la vérité. Là où il y a la condamnation, j'aime condamner. Alors, dossier, il y a prison centrale, il y a Makala. Chers compatriotes, to lali, to lamouki, mikolele kiawa, to yoka kaono, na prison kuna, moyen zate. Miri ya prison nenge batonga yango na lobaki yango la fois passée ezali biloko oyo etongami na ba belge. Les belges savent que les congolais sont des braves. Les belges savent que les congolais lorsque nous sommes unis, lorsque nous faisons une seule chair, lorsque nous constituons un seul corps, nous sommes plus que forts que voire même les métaux. Oh, je peux dire on plierait les métaux. Et lorsque les congolais se rassemblent to komaka fort. Voilà pourquoi balingaka tête aux ensemble. Parce qu'ils savent que lorsque nous sommes ensemble, c'est comme le feu qui est fabriqué, le feu qui est produit par les bois de chauffage. Lorsque vous prenez un feu, 2, 3, 4, 10 feux, vous les mettez ensemble, n'est-ce pas? Et vous prenez un peu de pétrole, vous mettez un peu de l'allumette. Sachez-le que ce feu-là, le bois de chauffage-là, va donner un feu et que ça va vous permettre au lamba madesu na yo, au lamba pondu na yo, et bela na ndenge ya malamu. Mais les occidentaux, les belges, balingagate tous à l'ensemble, les français, les américains, les multinationales, balingi les congolais to kabwana. Mais est-ce que dossier à prison, ezali dossier, na loba ki yango la fois passée que ça a été un coup d'état manqué. Mais plus toza ko kende, au-delà ya coup d'état manqué, ezali na ba révélation mususu o ebimi na niveau ya prison. Bato bakufi oyo tolandi to moni ba vidéo, mais ça c'est wa benga kezali massacre. On parle de l'invasion. Invasion sous bien invasion. Mais comment on peut évader dans une prison, alors que même mon tout mon côté, oyo to moni a l'objet que voilà nga zaki na prison, na bimi, parce que mir ya prison e boukanaki, porte ya prison e boukanaki. To moni moutou anata. Comment les prisonniers peuvent quitter la prison sans pour autant qu'il y ait même un seul évadé? Comment on peut procéder na invasion ya prison, mais à ta prisonnier mon côté, mon kangami moko abimi li bandate. Bato nyonso ba salaki tentative o ezali ya invasion ba se retrouver pour la plupart tout le monde ma vidéo nous devons dire les choses telles qu'elles sont tout le monde ma vidéo père aux âmes ya bana mboka ndenge ba koufi mais banani ba sale le kwana et voilà pourquoi la démission ya vice ministre ezali exigé d'après ma source aujourd'hui on nous signale que le vice-ministre de la justice aza déjà na kati yako démissionné. Pambate, ba révélation oye apesi en disant que
il semblerait que Ezali n'a pas magistrat. Oyo, moi, à mon avis, n'a mon que révélation, oyo, a pesa qui, Ezala qui valable. Mais les réseaux, oyo, Ezali a frappé, y'a pas magistrat, oyo, va sa la coalition, n'a pas tout y'a ministère, y'a affaires foncières, y'a urbanisme et habitat, ba sangana, ba sa la ka ba faux documents, ba sa la ka ba faux jugement, ko kene ko boto la banda ko y'a bato, denema awa, ils sont allés déguerpir. Un ambassadeur français résident en République démocratique du Congo, accrédité par la République française, Bakéi Kobimisaï Nandako, sous prétexte que Nandako Waneza a été. Et ces jugements-là, ils ont un jugement au Kaka, ce sont des millions de dollars. Dans le Congo, c'est facile comme un millionnaire. Est-ce que modèle haut chef de l'État, le Bakéi, qui je ferai des Congolais les millionnaires? Nous allons créer la classe moyenne en République démocratique du Congo. Cette classe moyenne, ils allaient y abattre au monde à Kawana, bah détracter, bah frapper, ngana benga rabango, dérober les gens qui volent sans crête. Le ministre, le vice-ministre de la justice ou de justice, c'est garde des sceaux. Déjà, Zakoluka, comment bah yébissier et singolo démissionner? Bah yébissier démissionner? Pas mbate, ba prisonnier, ba kota na prison. C'est le groupe wana ba magistrat. Ba lobe ke, il y a aucun prisonnier ou ya koko se retrouve na prison sans que ba condamné. Tout le monde a gandenge ba mituka ya makala, ya kakouzwa bango na ba parke. Une fois j'étais na niveau ya parke à Kalamu, j'ai vu comment mituka wana ya kouzwa ba prisonnier. Et il y a des gens qui viennent, ba misaka bango, ba koti bango na kati et puis ba même bango ba sala ka tourné. Basali baki na parki ya Kalamu, baki na parki ya Matete, baki na Njili, baki na niveau ya Gombe, babaluki par-ci par-là. Et ensuite, basu batouan wapi, bati bango na prison. Mais comment vous allez rendre des décisions? Vous allez rendre des jugements? Oyo Moutaza condamné te, boumemi na prison. Ce qui déjà au-delà n'est ni bien que ça qu'on l'a. Moutasali plus de 48 heures. Et que Amoni Moutou, Oyo aye ko funda yete, Fobo bimisaye na prison. Fobo bimisaye. Et la plupart y'a batou ba kota kuna. Et c'est ce qui a fait que, tango sikoyo, prison y'a boukani. Mais comment prison y'a boukana? Voilà pourquoi l'arrestation, y'a chef y'a prison, ils allaient exiger. Chef y'a prison, il faut pas kangaye. Pourquoi on doit l'arrêter? Parce que y'a Azali censé. Il y a qu'aux informations, Boutou avant et coma, Tongo avant et Tana. Ça veut dire que journée avant et banda. Aza censé y a qu'aux informations, Oyo yo yamakamo ou le kana prison. Tozo kaono, il y a eu des Rwandais, Oyo bazaki na kati, Oyo ba kondana bango, na ba dossier, Oyo zala ki makambo itali ba détournement, makambo itali soupçon y a coup d'état, bazaki na kati nde, batinda ki batou, ba militaire Rwandais. Ba ye ba beti prison, ba bomi ba te belé, nde ba misi ba tout na prison. Mais moi je me dis, mais ce pays nous sommes où vraiment? Ba allégation na ba allégation. Ba allégation na ba allégation. Mais question nga la za ko mitou na chers compatriotes. Je pense que tout ça bateau, mitou na biso za ko sala, tout réfléchi. Comment il y a eu invasion na prison? Ata prisonnier mon roi abimité. Ba prisonnier yon soba nga yba evade, bakoufi. Bakoufi. Et le ministre, le vice-ministre de la justice, il y a pas sali déclaration. Les réseaux où ils allaient, bah magistrat frappé, bah mafieux wana, arsenal wana, bah zali koye bisa vice-ministre, il faut démissionner. Pas mater au talisi, au bah benaka incompétence na biso. Et bah zako exiger na vice-ministre a démissionné. Et chef ou à prison, soit qui vice-ministre a démissionné, chef à prison, bah kangaye, chef à prison, c'est lui qui maintenant qui va aller maintenant révéler les informations où ils allaient à Solo, Ndengenini, prison et Bukanaki. Depuis la Mamibi, Joseph Kabila Kabange négocie son retour en République démocratique du Congo. Peuple congolais, j'ai comme l'impression que la politique n'est plus ce que nous avons apprise au niveau de l'université. La politique, ce n'est pas ce que nous avons découvert. Na niveau, il y a Internet. N'est-ce que tout ça, la recherche. Les scientifiques disent que la politique, c'est un art. N'est-ce pas? Ils allaient art. Il y a qu'à diriger une société. Voilà pourquoi ceux qui montaient à l'université de Kinshasa,
à l'époque, Bazobe Ngango, la colline inspirée. Ces gens-là apprenaient comment diriger la cité. Bazobe Sabango, Batouana Bomoni, à travers les différents domaines de la vie, vous devez savoir comment les diriger. Joseph Kabila Kabange a géré ce pays pendant 18 ans. Tous les domaines de la vie, la sécurité, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, l'environnement et le développement durable, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et travaux publics, l'aménagement du territoire, ministère des gens et familles, le ministère des affaires foncières, l'urbanisme et habitat, j'en passe. Kabila Zaki censé, il y a qu'on travaillait pendant qu'on développait Mboka. Kabila a laissé ce pays. Le pays a été abandonné. Dans le concert des nations, le Congo n'existait pas. Lorsque le monde entier se réunissait pour parler des décisions du monde, le Congo n'existait pas. Sur le plan de la relation internationale, sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo a été absente dans les concerts des nations. Même les questions, les dossiers, sur le plan sécuritaire, Kabila a laissé les Kuluna à Kinshasa, les Kuluna que la Kabylie a fabriqué. Parce que lorsque nous parlons de Kabila, nous parlons de l'individu. Mais quand on parle de la Kabylie, nous parlons alors du système. Le système que l'IDE pèse avec Étienne Tshisekedi wa Mulumba, que nous avons combattu. Et c'est un système selon lequel, jusqu'aujourd'hui, nous pensons que les fameux collaborateurs du chef de l'État n'arrivent pas toujours à faire la différence entre gérer la République et être des collaborateurs du président de la République. Chers compatriotes, Kabila, sur le plan sécuritaire, nous a laissé ce qu'on appelle les Kuluna Kinshasa. Le Kuluna, c'est un phénomène fabriqué et monté de toutes pièces par la Kabylie, de faire face aux combattants de l'île des Pèses parce que, à l'époque, les combattants de l'île des Pèses, ils étaient très forts. Et les policiers, les militaires que Kabila envoyait pour arrêter ces combattants, ils n'arrivaient pas. Ils faisaient face à ces gens. Voilà pourquoi on avait monté en mettre en place ce qu'on appelle les Kuluna. Et lorsqu'ils ont compris que les Kuluna débordaient, les Kuluna n'avaient plus rempli la mission qui leur a été confiée par la Kabylie, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'opération Likof pour maintenant étouffer et éliminer tous ces jeunes gens au Bango Bafomaki. Voilà pourquoi on a eu Kuratita. Ceux qui ont eu Babeti, Kokoko, Maman Augustine, Fungolandako, est-ce que Mara Azali, Azali, Bimisa Bissoye, Bino Mandan, tout ça, policier. Ceux qui ont sali net, ils ont douté, Bakoti Nandako, Bimisi Mara, Babeti Massas. C'était ça ce qui s'est passé. Sur le plan sécuritaire, Kabila nous a laissé le phénomène où Mabengi Oezali a conflit Bateke entre Bateke et Yaka. Les Rwandais sont venus du Rwanda, Bazo Kitanaropo Yanjili, avec la compagnie Servet, Yakargo, parce que Baye Bake Keso Bakiti dans Congo Airways à l'époque, les gens, Bakoyeba service ou Mabengi ya DGM Bakoyeba. Comme Naropo, il y a un service Oezali à migration, l'entrée et les sorties, Ezali Bongo contrôlé. Et papa n'a pas quitté au niveau y a serveur. Serveur qu'on a déjà vraiment dans la vraiment rigoureux. Parce que base de données dans serveur est Bazoya directement à Pikinga 4. Bazoya directement à Pikinga 4. Bazoya directement à Pikinga 4. Dossier y a. Oba Bengaka. O Zaraki y a. Comment on appelle ça? O Zaraki na Mai Ndombe. Avec l'ancien gouverneur de Mai Ndombe, Jantini Ngobila. Bato bakimi bakeyi na Congo Brazzaville. Arrivé là-bas, kozonga ya batu comme bazaki ba réfugié, pona kozonga les gens sont rentrés avec des Rwandais. Oyo tango Kagame asombi mabele na Congo Brazzaville. Les Rwandais batia bango wana pona koya osabilanga. Ils sont entrés avec nos compatriotes. Bayana bangombe ba s'installa. Le ministre Jacquemin na lobaka yango souvent. Le président de la République, nous ne pouvons pas finir ces deux mandats sans pour autant tous les Rwandais ou les Bayakana Bangombe, tous les Sabango na Rwanda. Ça, ce sont des choses où, sur le plan sécuritaire, la politique de la défense, la politique de chercher à étouffer l'infiltration dans nos chambres, dans nos petits magasins,
c'est de chercher à prendre ces Rwandais qui sont Sabango. Kabila a commis Koluka, Nengenini a Kogozonga la Congo. Sur le plan environnemental et assainissement, tu as la ville à Kinshasa, solo, Bosoto partout. Aucune ville qui se dit être prête pour le développement à Kogozaloko, la ville à Kinshasa. L'insalubrité bat son record. L'insalubrité est comme dans un degré élevé. Kabila Zako Luka, Xi Jinping, le président chinois, a plaidé Kanaye et pas le chef de l'État. Nengenini a Koyko Zonga. Et d'ailleurs, ce qui encore, oui, ça peut toujours arriver. Nanandi Magaye que Kabila a un téléphone à Benga Tshisekedi. Qui aurait pensé en ça? Kabila a eu téléphone à Benga Tshisekedi. Personne. Mais au moment où nous vous parlons, Kabila a Benga Tshisekedi na téléphone, chef de l'État a matin. Le chef de l'État ne reçoit pas. Parce que y a Tindi Batona Chine, ba kende ba plaider pour la Kanaye, que le président chinois a plaidé auprès du chef de l'État, Ndengenini, ba koki ko plaider bata la Kabila Azonga. Pa mbate na niwa na bibi kuna, ça ne va pas. Ba taxe komi ko mata, biloko na ye ba faire zo marché le sous bien terre na Kinshasa awa. Moi ma kamota mbola bien exacte, raison pour laquelle a komi ko plaider à Monique. Excusez-moi, mboka ona ko vanda bien zaka Congo. Mboka nako vanda bien zaka Congo. Alekibo ba oye mbela enze mbo. Shinarambo. Mbote nabino. Mbote. Peuple Congolais. Mbote nabino. C'est ça. Mais le kola kena Namibi a zomona yusu bilo kwa nante. Kuna komi ou babenga komi exposé. Alekibo voilà la sien président congolais. Iba ou mituna. A ozonga Congo te zosa anini awa. Et depuis la Chine, le président chinois pa yebisi oui. Moi, je peux plaider pour que Ozonga, parce que dans le niveau de la Chine, Kabila a beaucoup d'investissements. Kabila a des entreprises dans le niveau de la Chine. Les Congolais quittent ici, Bazolongo à Kinshasa, ils prennent l'avion éthiopien, je ne sais pas moi, dans la compagnie publicité et marketing, où ils allient à la compagnie aviation. Bazako a un avion, Bazako a la Chine. Boutique, ils sont au côté, c'est une boutique, il y a Kabila. Azana dans le domaine, il y a friperie. Azana domaine il y a ba voiture, azana dans domaine il y a hôtellerie, azana domaine il y a restauration. Kabila est presque dans tous les domaines. Biso tout est bien go. Maman Olive a sali déclaration. Awa. Olive l'aime a sali déclaration disons que nous sommes entrés des produits dans ces pays et là koni ni bango azako produit dans mboka na biso. Est-ce qu'on se pose cette question? Qu'est-ce que la Kabila est en train de produire dans notre pays? Kabila za kolinga songa, mais le président chinois a yebisi mais le président Félix a yebisi abime. Le monsieur là, parce que Fatia za la rabongo. On a bien ranzete ambinzo chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi tu le monzete ambinzo. Oui baka pourquoi on a bien ranga Fatia Béton zete ambinzo. Pamba te mbinzo azalaka. Poko mambinzo. Oko matate mbinzo akia bimidi likol. Non, mbinzo abanana nos papillons. Après papillon, a qui a commis mbinzo. Après a koukoma mbinzo, a zongi sous papillon. Ça veut dire que chef de l'État, après pouvoir naye, na évite ce que tu as wap. Fati Béton zete a mbinzo. Alors, le président, il y a aussi président chinois, mais lui là, moi la maman Mars, alors lui là, Kabila, qui plaide pour son retour à Kinshasa, personne ne l'a chassé. Ce sont ces péchés qui ont fait que Kabila puisse quitter le pays. Quels sont ces péchés? Le président chinois a été étonné. Le président chinois a demandé, mais dis-moi, le président congolais Félix Tshisekedi Fatshi, comment Kabila a commis des péchés? Il dit, mais le péché aujourd'hui, c'est de chercher à mettre ce qu'on appelle la charie devant le bœuf de la bonne gouvernance que nous sommes en train d'éprouver. Kabila est en train de préparer l'insurrection. Kabila est en train de soutenir Corneille Nanga. Et Kabila est en collaboration avec Kagame. Mais comment un tel messier, nous allons accepter qu'il y a Zonga na Congo? Et le président chinois a été bouleversé. Chers compatriotes, président chinois a été bouleversé. Le président chinois ne savait pas. Mais si dans ce sens-là, ça veut dire que Kabila doit vous présenter des excuses. Et le président congolais l'a dit effectivement.
Là, ça sort de vous. Là, ça sort de votre bouche. Et le président congolais a dit, lisez bien sur mes lèvres. Lisez bien sur mes lèvres. Aussi longtemps que Kabila ne va pas cesser de soutenir Corneille Nanga et de préparer l'insurrection, Kabila ne sera pas le bienvenu au Congo. Chers compatriotes, vous voyez, Sabino, le retour de Kabila au Congo est comme hypothétique. Et comme hypothétique. Yango balo baga ke tango zana bokonzi. Ye baga ko soigner na bato. Kabila soigner na bato ta. Bato nyoso Kabila soigner ki na bango. Il l'a abandonné. Kagame yona osa makamunaye. Nanga yona pe mande fuko mi pembe azo e baté na osala ni. Kabila komi ko luka. Azo benga fati na téléphone azo yambate. On a fait ça comme il y a. Ah, qui est celui-ci? Oui, allô? Oui, allô? À qui j'ai l'honneur? Mais excusez-moi, chef de l'État, c'est Monsieur Joseph Kabila Kabange. Mais attends, hein, président honoré, mais moi je suis dans le sommet Chine-Afrique. Vous m'appelez maintenant là, je ne sais pas moi, on va faire comment? Mais écoutez, j'ai été en téléphone avec le président chinois. Le président Xi Jinping. Comment le président Xi Jinping? Comment le président Xi Jinping? Comment? Prononciation et Zoye Balanté. Nzete à Minzo. Alors, au moment où Toza Koloba, Kabila a commis mal à l'aise. Yango Balobarake, avant le pouvoir, il y a une autre vie. Pendant le pouvoir, il y a encore une autre vie. Et après le pouvoir, il aura encore une autre vie. Qui aurait cru qu'aujourd'hui Kabila va appeler Tshisekedi? Nanandi Makayango. Le président Tshisekedi, il a été traité comme un patin, comme un placebo, comme une marionnette. Naye bakamukomo na zaki na quartier 3. Cortège à chef de l'État 2019 avant tout le confinement. Ezo kende na niveau ya kinga comment on appelle ça? Na côté aéroport. Le président voyageait à Bandagou to kende kinga katite. Batu babi akeyi kondi ma appel. Akeyi kondi ma appel. Ba benye mbangu keno ni ma appel. Mais aujourd'hui en sommes-nous? Aujourd'hui où en sommes-nous? Qui appelle l'autre? Qui a besoin de l'autre? Qui cherche l'autre? Qui négocie pour avoir la paix? Qui veut revenir au pays? Le président Tshisekedi en Chine, aza très à l'aise. Na moni photo mon bakangi Igwazaki Mopanzi ministre maman nanga na bengaka moi si pe moto hein moi si pe moto moi si pe moto maman Fifi Masuka moi si pe moto beaucoup de félicitations maman na mona ki pembe na mokonza ekolo na niveau ya Chine maman lati o ba benga na lingala lipopela liputa na lingala ngwana lipopela. Liputa ezalaka vrai lingala te. Vrai lingala makanza ezalaka babenga ngo lipopela. Na moni mama Fifi Masuka lataki lupepela pembeni ya chef de l'État. Et le président c'est qu'il va rentrer. Mais Kabila dit mal à retourner au pays. Naibite so Kabila ozonga neni. Po bato balobi a ozonga ya mesana ka okenda bongo a ozonga. Tozo zelaye. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est en train de naviguer à vie. Pourquoi je dis que nous sommes en train de naviguer à vie? Je vais défendre mes propos et ma pensée. Nous sommes tous d'avis qu'un pays, pour se développer, ce pays a besoin de politiques de résilience presque dans tous les domaines. Il faut avant tout le changement de mentalité. Il faut avant tout créer nouveau l'homme congolais. Il faut avant tout avoir des hommes intègres. Il faut avant tout avoir des hommes, des patriotes. Et il faut avant tout avoir des expériences, des sagesses et aussi des hommes
qui sont capables de travailler pour pouvoir amener notre pays vers une dimension de développement, de la croissance économique. Parce qu'on ne peut pas développer un pays si essentiellement si ce pays-là n'a pas ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Si ce pays-là n'a pas ce qu'on appelle la promotion des ministères porteurs de croissance. Quels sont ces ministères? Nous avons le ministère de l'agriculture. Nous avons le ministère de l'élevage et de pêche. Nous avons le ministère de l'industrie. Nous avons le ministère du commerce extérieur. Nous avons le ministère aussi de l'environnement. Parce que c'est un ministère qui attrape ou qui reçoit beaucoup de projets. Et cet argent-là peut aussi être travaillé pour pouvoir amorcer le développement. Nous avons le ministère des mines. C'est presque ce sont ces ministères-là qui doivent collaborer avec le président de la République afin de travailler pour que nous puissions avoir le développement. Nous devons cultiver les maïs, les haricots, je ne sais pas moi, les patates douces, les ananas et consorts. Mais lorsque nous produisons, que ferons-nous avec les produits que nous avons produits dans nos champs? Pour que ces produits arrivent au niveau des centres de consommation, il faut que ces produits trouvent ce qu'on appelle les industries déjà qui sont installées, les usines de fabrication et de transformation. Nous devons avoir les usines de fabrication, notamment, et de transformation des maïs. Nous devons avoir les usines de fabrication et de transformation des poissons qu'on produit au niveau du fleuve Congo et nous devons les mettre dans les conserves. Désormais, on ne vendra plus non seulement des sardines, mais on aura aussi les Ngolomo Seka, on aura aussi des motos, on aura aussi des boîtes de conserve des motos, les boîtes de conserve des Ngolomo Seka, les boîtes de conserve des Mungusu, les boîtes de conserve des Munganza et les boîtes de conserve des Ngolo. Mais pour que nous puissions arriver là-bas, nous devons avoir ce qu'on appelle la croissance économique. Mais comment aurions-nous la croissance économique? C'est à travers ce qu'on appelle la mobilisation des recettes financières ou alors des recettes publiques. Mais comment maintenant arriver à faire la mobilisation des recettes? C'est à travers le régie des voies, des régies financières. Nous avons la DGI. Nous avons la DGRAT. Nous avons la DGDA et j'en passe. L'ancien ministre des Finances, Excellence Nicolas Kazadi, l'argentier congolais, avait mis en place, en signant un partenariat, un accord, un projet avec les partenaires qui avaient la volonté de chercher comment ils devaient appuyer la République démocratique du Congo dans le projet qu'on appelle le projet consortium. Un projet qui a été conçu pour pouvoir signer un accord de 29 millions de dollars pour les réformes des factures normalisées. Et ces réformes des factures normalisées, de la taxe de valeur ajoutée, la TVA congolaise, avait pour un seul sens de faire les réformes pour pouvoir mobiliser dans un sens plus élevé avec des machines, ce qu'on appelle les recettes de la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens que l'excellence Nicolas Kazadi va maintenant signer ce protocole d'accord ou alors ce projet dont le preneur avait payé, ont décaissé pour la première fois 10 millions de dollars sur 29 millions. Ça veut dire, ça nous restait combien? 19 millions. Et si les 19 millions, si les 10 millions, l'excellence Nicolas Kazadi, d'après les informations que nous avons eues, il n'a jamais exigé même la rétrocommission. Il n'a jamais exigé même les pourcentages. Même le membre du cabinet de Nicolas Kazadi n'ont jamais demandé ce qu'on appelle un seul rond dans les 10 millions qui ont été payés pour l'avance
afin d'avoir les 5000 machines pour pouvoir mettre en place ces projets pour les réformes des factures normalisées. Le ministre Nicolas Kazadi va partir, il va laisser les tabliers du ministère des Finances entre les mains de M. Fouamba. Mais M. Fouamba va arriver, il va trouver sur la table le projet de consortium qui avait un montant global de 29 millions. Et quand il tombe sur ça, selon lui, l'argent a été détourné, l'argent n'a pas été servi aux achats de ces machines, plus de 5 000. Afin de bien faire les réformes des factures normalisées de la TVA congolaise. Et il va sortir un document, il va brandir pour dire que l'argent, les 10 millions qui ont été servis, n'ont pas servi pour la réalisation et la mise en place de ces projets qu'on appelle les consortiums. Je ne sais pas moi si je prononce bien les mots. Je pense que nous aurons encore des précisions là-dessus. Selon les sources proches de l'ancien ministre Nicolas Kazadi et nos contacts que nous avons eus, le ministre n'avait pris aucun rond dans ce projet. L'argent était décaissé, l'argent était payé et l'argent avait suivi son cours ou son parcours normal. Il n'y a pas eu de violation, il n'y a pas eu de déviation dans le parcours pour que l'argent soit décaissé. Et au moment où nous sommes en train de vous parler, chers compatriotes, Nicolas Kazadi est sali. Pourquoi l'excellence Nicolas Kazadi est sali? Et pour nous, nous pensons que d'après les informations que nous avons, l'excellence Nicolas Kazadi est sali parfois de manière naïve. Parce que même pas un seul rond qu'il a bouffé, il n'a jamais exigé un seul million de dollars. Contrairement à M. Fouamba, je cite le nom, l'actuel ministre des Finances, qui va exiger le pourcentage de 1 million de dollars pour que le paiement de 5 millions ou de 4,5 millions soit payé pour aller acheter ces machines-là. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît, chers compatriotes? L'ancien ministre, il signe un protocole d'accord. Le projet soit mis en place. Et le projet, on sort le paiement de 10 millions. L'ancien ministre Nicolas Kazadi ne va même pas bénéficier d'un seul rond et même pas un pourcentage qui va exiger ni les membres de son cabinet. Mais M. Fouamba, qui succède à Nicolas Kazadi, en lieu et place de faire son travail comme exige la vision du chef de l'État, de contribuer à la croissance économique de notre pays, à mobiliser les recettes et créer les entreprises, créer la classe moyenne et satisfaire les besoins des populations congolaises, lui va s'acharner parfois bêtement et naïvement contre l'ancien ministre Nicolas Kazadi, que Nicolas Kazadi n'a jamais fait avec M. Sélé Yalagoul à l'époque, ministre des Finances, qui avait cédé cette fonction entre les mains de Nicolas Kazadi. M. Fouamba va exiger 1 million de dollars pour que cet argent soit payé. Bah, 5 million de dollars pour Mbongo, 4 millions, 4,5 millions, bah, pesa yango pour bah, sur ma machine. Et les partenaires vont dire, mais non, mais ça, tu coupes ça en 1 million d'en. Tu coupes ça en 1 million d'en. Les contrats, et ça là qui déjà, et ça là ma qui. Les contrats avaient suivi son cours normal. Tu coupes ça en 1 million à pourcentage d'en. Il dit, si vous ne me donnez pas 1 million, je suis désolé, je ne signe pas. Bah, bon, si vous ne signez pas, ça veut dire que le projet sera détruit. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de vous dire, peuple congolais? Yango moni na moka na biso. Tango bakizaka moto. Toza la capricité. Yako finga. Oui, nous savons que moka pasi ezali. Et bakonzi bazako travailler. Certaines autorités bazako travailler pour to bima na bobola. To bima na pasi. Bobola oya komola ngate. Bobola oya pauvreté. To bima na pasi. Mais il y a encore certaines autorités basées dans pour intérêt dans bango. Mais c'est Fouamba qui exige 1 million de dollars avant que à exécuter Mbongo et Bima pour basse ma machine pour n'encolouga pour mobiliser ni ma recette financière. Et les loyaux, on acquise l'excellence Nicolas Kazadi pour rien. Pour rien. Il n'est pour rien. Je suis là dans la tombe de ma boko dans l'icolo. Nicolas Kazadi n'est rien à l'obaka. Peut-être
Azali un innocent qui a été accusé en premier. Motobaya kakofunda liboso. Ezalagate ke motuana ne oyoyo azanator. Attention. Le ministre des Finances, tant on a signé document. Projet yé, Moussa Nezako signé ma misambongo. Moussa Nezako signé ma misambongo. Baki na banque ba misimbongo. Bon, ce qui a signé, ça veut dire qu'il y a mouta détourné mbongo. Non. J'ai toujours condamné les détournements. Je l'ai toujours condamné. Les détournements des derniers publics. Mais lorsque Moutouaza est innocent, est-ce qu'il faut toujours le condamner? Le président de la République depuis la Belgique. Alobi, mais le monsieur qu'on acquise de tous les noms, il a détourné l'argent de Lapadaire. Il a détourné l'argent des forages, oui. Mais ce monsieur-là, la manière qu'il a travaillé à la tête du ministère des Finances, est-ce que réellement le monsieur-là, il serait dans ces salles G? Tout n'aura pas question. Peut-être Ndoki, tout le monde a que Ndoki Babele, là, il a été. Na matanga, moto oya lelaka makasi makasi ndeye moto abomaka moto. Et en politique, tant que moni, baza ko akize moto mingi. Peut-être ce n'est pas lui le problème. Dossier oya 29 millions de dollars, peuple congolais, ba information tozui, Nicolas Kazadi n'est pour rien. D'ailleurs, l'actuel ministre de la Finance, yaza ko exige 1 million ya pourcentage. Avant, mbongo oitikali sur les 19 millions, 5 millions et qui va payer ça, à ça qu'exiger 1%, ça veut dire 1 million de dollars pour assigner pour Mbongo et Bima. Et ma partenaire, on a lobby, nous sommes désolés parce que, oh, Yazala qui a sali à côté. Mais encore plus grave, nous sommes de la même famille politique. Moi, je suis de l'IDPS. Nicolas Kazadi est de l'IDPS. Fouambaï est de l'IDPS. Tu sais qu'elle dit. Et de l'IDPS, même la constitution, et d'accord, il y a eu que vous êtes membre du parti politique. Mais vous avez la nini. Babilo ko na pe perdre tout tika la ko mona ngote bazaki na ba guerre na bango oui mais ko leka na babilo ko ya boue lorsque Nicolas Kazadi est arrivé na niveau ya ministère ya finance lui n'a pas cherché à salir l'image de son prédécesseur, il a plutôt cherché à travailler pour mobiliser les recettes financières de la République démocratique du Congo. Il a mobilisé, nous avons quitté des 3 milliards de dollars to komi na 16 milliards. Ancien conseiller et chef de l'État, le professeur Luzolo Bambi, à l'obaka yango que chaque année, nous perdons plus de 15 milliards de dollars. Oye, kenara na ma poche à batou. Mais Nicolas Kazadiaye a tomboli yango na 15 milliards de dollars. Nicolas Kazadiaye, le loyo soki toza ko étouffé avancement ya M23. Mais Nicolas Kazadiaye a participé. Pour mbongo tozo zo tozo tinda kuna ba somba minduki ba futa ba police ba militaire ba somba ba teni lelo oyo M23 moyen avancé exacté. Mais c'est le travail aussi Nicolas Kazadi a fait. Makambo ko loba eza tellement ebelé, makambo ko loba eza tellement ebelé. Je ne suis pour rien, je ne défends pas Nicolas Kazadi parce que il m'a donné de l'argent, non, mais je le défends parce que c'est un innocent dans ses projets. Tant aux ministres, au signé mon webima. Et ça, le col en andaku, maman, l'ami biloko. Ba pesi moutoua kabolaka. Moutoua na kaboli biloko. Alors, soy moutoua na kaboli ma be. Tolo bakeza fouti a moutoua lambaki. Parce que Nicolas Kazali Moussa na ezali, yako signé mon webimi. Ce qui va détourner mon. Mais il faut pas ça la banquette. Et d'ailleurs, le dossier à la padère en forage. L'instruction est à niveau ya parquet. Mais mon toyo yoso ki ya yibarambongo. Il fallait déjà ba kangae. Il fallait déjà qu'on l'arrête. Té, tout koutana dans le yenge té. Vital Kamerhe mbongo ya 100 jours. 57 millions. Lorsqu'il a été interpellé dans le parquet na Aona Matete. Azonga kita? Azonga kita? Oh Nicolas Kimi. Oh Nicolas Salibo. Mais il est allé en Europe. Il est retourné à Keina Miabi, à Zongi. Kabila, oh, a yibimbongo yamboka. Kabila. Kabila, zaki na mboko. Kabila, yibimbongo yamboka. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Bon, Kabila, te ponani. Tokutani à la prochaine, zamba pa mbola vino. Tangwe kokio yoyo.